Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Disney a annoncé le report de plusieurs films, dont Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2 et rien que ça, le cinquième Indiana Jones. Oh, bah c'est super ça, le lien. Ça me laisse un peu plus de temps pour ne pas regarder les épisodes précédents. On sent bien la pointe de sarcasme, hein, François Cluzet. Ah bah si t'appelles ça une pointe, à la Chandeleur, tes gamins, ils doivent taper un coma éthylique quand tu fais des crêpes avec une pointe de rhum, hein. Non mais c'est quoi le délire avec Michael, hein? Leur scénariste, il meurt s'ils écrivent autre chose qu'une suite, c'est ça? Franchement, tu me vois faire un touchable 2, 3, 4, 5, 6, etc. Là, jamais de la vie, hein? Parce que bosser sans jamais lever mon cul, ça va, y a pas écrit Albert Spano. Oh, merde. Merci quand même François Cluzet. Et puis c'est une première mondiale. Figurez-vous qu'un homme a été greffé avec succès d'un rein de porc. On a la chance de pouvoir l'interroger ce matin sur RFM. Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur? Oui. Ok, bonne journée. On enchaîne, super. Et c'est tout. On est content pour vous, c'est super. Allez, rien à voir, on part directement sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Bah, venez avec nous, hein, monsieur. On va rejoindre ensemble Thomas Pesquet qui vient de poster une vidéo pour montrer que dans l'espace, il n'est pas simple de plier ses vêtements. Oui, Elodie, c'est vrai que c'est hyper compliqué de plier mes vêtements ici dans l'espace parce que, bah, vous vous en doutez, j'ai pas ma femme. On aura tout entendu. Bon, en plus, la pesanteur, ça complique encore plus les choses, hein. Regarde, hier, je plie un de mes slips. Sans faire exprès, je le lâche. Donc le slip commence à s'envoler. Il remonte devant mon visage et là, je me dis « Ah, il faut le relaver hein. !» Bon, à bientôt pour de nouvelles expériences. Ah oui, on a hâte, dites donc. Sinon, C8 va lancer une nouvelle émission qui s'appelle « Mon maître est une célébrité ». C'est donc un nouveau programme où des stars vont nous présenter leurs animaux de compagnie. Ah là 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 là, Elodie, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher qu'après ça, plus jamais je me moquerai de danse avec les stars, tabernacle. Bonjour Jean-Marc Généreux, alors pourquoi vous dites ça? Dites-nous tout. Bah je dis ça parce que j'ai vu le casting dans une pipe en bois. Priscilla Betty et son bulldog anglais, Julien Gélouen et ses deux chats, du Elsa Esnou et ses trois rats ou encore Tanguy Toupet et son chien. Waouh! Ma parole que le bulldog français est plus connu que Tanguy Toupet. Et que si dans la liste je devais demander des autographes, ce serait aux trois rats. Attends, c'est pas fini, Elodie. Ah. Il y a du Guillaume Janton, du Marty Hirley. Non mais ils ont fait le casting en piochant au hasard dans les pages blanches. C'est pas possible, on a un caribou. Pour te dire, le plus connu c'est Dave et son Labrador. Ah. Puis je peux te dire que ça va être sacrément difficile de les différencier vu qu'ils ont exactement la même coupe. C'est le chien de le maître, hein. Ah, je crois que le seul moyen pour savoir qui est qui, c'est de lancer un bâton. Comme ça, celui qui ira le chercher, on saura que c'est Dave. Et ça, j'achète. Oui. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, 8h45, le replay 18h35 et la vidéo en replay sur Facebook. On continue la matinée avec Coldplay, Higher Power. Oh yeah.